Une des gros victimes du janvier, le député de deuxième circonscription Port-au-Prince, Jean-René Lochard, qui a perdu 8 membres de famille, la d'ailleurs maman Lacfrel, ancien commissaire police Carlo Lochard, organisé une exposition photo matin dimanche là pour marquer 4e anniversaire d'Atmalouksa. Dans l'occasion, le parlementaire a critiqué sans garde ONG, il dit qu'il était envahi pays après la catastrophe là, mais qui toujours pas réglé rien 4 années après. Lochard, qui s'est patiné pour voir tête Kalea, parti tout à bord ancien CIRH là, il dit qu'il était dépensé plusieurs milliards de dollars sans aucune réalisation parfaite sur terrain. Population a continué à vivre dans mauvaises conditions alors que ONG a dépensé en pile millions. Député a fait qu'on a, il n'y a pas de gros construction parasismique, mais plutôt de reconstruction cerveau et mentalité population en cap souffrir, je ne j'en dis encore, en bas de les tremblements de terre. Jean-René Lochard, Ténamico Amos Briville, à Colin Île-d'Orest. Je pense que jusqu'à date, l'on regarde ce qu'on fait dans le pays, surtout avec les ONG, parce que c'est une déception pour la nation haïtienne. Parce que aider par les dépendances. Nous sommes capables de collaborer avec tout le monde, nous sommes capables d'accepter l'aide de tout le monde, mais il faut que blanc tout, que nous ne sommes pas capables de dépendre de lui. Là, nous regardons les volumes comme cap dépensé. Parce que jusqu'à présent, sur le chiffre, tout côté CIF l'a dépassé, c'est 5% du déblais qui est ramassé. Et là, regardez tout, quantité d'argent qui est dépensé, plus de 10 milliards de dollars, là seulement dans le portefeuille, il y a des ONG qui disent qu'ils ont dépassé 161 millions de dollars. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le pays, ce n'est pas une bonne chose pour la nation, parce que il faut que tu corriges. Par exemple, des comptes ne sont pas capables de dépasser, c'est que l'État n'a pas grand contrôle sur lui, sans décréter, il va avancer des chiffres. Regardez, c'est IRH. Quand c'est l'argent qui dépense, ceci dans de mauvaises conditions, même un bon rapport n'est pas capable de faire. Parce que je dis, 4 ans après, nous avons toujours à tourner en rond. Et bah, eux, ils ont promis un paquet de copes, ils ont pas dépensé. Cependant, il y a un minimum qui dépense, mais on paraît que le minimum, ça a passé. Sur le suivant, après, tout le monde a été même genre. Et deuxième aspect de la question pour moi-même, ce n'est pas faire gros building parasismique. Excusez-moi, pas fait gros building parasismique qui a changé d'homme. Parce que la reconstruction, il faut qu'il commence d'une part avec sensibilisation, motivation pour nous changer mode de vie, mode de fonctionnement, mode de construction pour ne pas vivre une autre d'où vie encore. Et c'est ça que fait année ça, nous même qui ça nous fait. Par exemple, le docteur Elio Amilka qui est avec là, il y a des conférences. Pour ça qui était passé, pour ne pas revivre encore. Maman, vous dites que la simple, c'est simple. Puis l'argent a dépensé, toutes les autres ont fait, c'est fait les plus riches viennent encore plus riches. Les riches viennent encore plus riches. Mais sans que la population qui est en battante, qui a vécu dans la saleté, dans la crasse, ne va bénéficier de rien. Qui est le rôle de ça? L'État a tout, nous avons l'État qui est faible, c'est vrai. Mais cependant, si vous magasin est fait pour le pays, il faut que vous impliquiez l'État à la donne. Vous avez toujours parlé de corruption. De corruption dans tous les pays du monde. Parce que vous avez parlé de la bonne gouvernance. Quand il y a l'effort qui a fait, ça veut dire que journée aujourd'hui, c'est pour blanquer dans la tête de Haïti d'une part, son pays indépendant. Si vous avez fait pour le pays, c'est pour impliquer l'État à la donne. C'est ça qui fait que tout ONG a échoué.